Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour de ce lundi, mardi 31 janvier 2023. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, mardi 31, le 31, 3, 1, 4, le 4. Avec le 4, on peut avoir l'impression de blocage, de restriction en toutes sortes, hein, ou de retard. Chose que l'on aime bien, hein, le retard. Des difficultés, bien entendu, en tout genre. Mais en fait, le 4, il est là pour nous dire aussi stop, quelquefois, pour nous poser des bonnes questions. Est-ce que tu es dans la bonne direction? Est-ce que tu es sûr d'avoir pris la bonne décision? En professionnel, avec le 4, on doit redoubler d'efforts. C'est un bon chiffre. Mais c'est vrai qu'on doit se donner les moyens, en fait, de travailler. On doit se donner de la peine pour réussir. Côté sentimental, il est question, là, de relations sereines, pardon. On est plutôt dans la perspective d'une relation solide, là, de quelque chose que l'on veut de beau. Alors, parce que c'est vrai que le 4 représente aussi la terre et le monde matériel, la fondation, hein, une fondation sur laquelle on s'appuie, en fait. Alors, le 4 a ses côtés positifs, bien sûr. On a le sens de l'organisation, le sens du détail. On est ordonné aussi. On est logique, réaliste, mais il a ses côtés négatifs, hein. On peut être lent, têtu, campé sur ses positions, matérialiste, malheureusement, et surtout froid, froid et sérieux. Alors, le mardi, associé à Mars, c'est l'action. L'action, l'agression, le conflit, hein, attention, évidemment, la concurrence aussi, le feu. Couleur associée à notre mardi, le rouge et l'or. Alors, on va tout de suite regarder quel message, conseil mis en garde, Monsieur Augure Blanc veut nous délivrer pour cette journée du mardi. Du mardi 31 janvier 2023, dernier jour de janvier déjà. Et nous avons domifié. Alors, domifié, c'est diviser le ciel en 12 parties. C'est aussi s'intéresser à ses prédictions d'astrologie aujourd'hui. Mais c'est également diviser sa journée. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'on planifie tout, on divise ce que l'on doit faire pour essayer de se retrouver un petit peu dans sa journée. On peut aussi, bien entendu, cette journée, elle peut être fortement reliée à votre profil astrologique, hein. Ça, il est vrai aussi à ce que, par exemple, Carte Oracle vous dit aussi. Mais voilà, domifier, c'est de retenir aussi particulièrement, petit conseil, les conseils qui sont liés à la forme et à la santé. Bien entendu, tout n'est pas bon à prendre. Je vous dirais de faire attention, bien entendu. Mais voilà, particulièrement, un petit conseil qui peut être donné au niveau santé, bah pourquoi pas le suivre? Bien entendu, si ça n'engage pas de dangerosité. Hein. Allez, on va regarder tout de suite avec notre jeu de 32. La journée de notre mardi 31 janvier 2023. Mardi 31 janvier 2023. Et à la coupe, nous avons. Oh, bon, alors concernant la santé, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va pas, qui ne va pas, qui ne va pas bien. Ça, oh, bah dites-moi, ça démarre fort. Alors, il y a des gens mal intentionnés, il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie, il y a de la trahison, ça peut être dans tous les domaines, familial, professionnel. Et ça vous travaille. On peut voir aussi qu'éventuellement, des gens qui sont méchants autour de vous, bah, peuvent être mal dans leur tête aussi et mal dans leur peau. Alors, on voit très bien que ça peut concerner des projets et qu'il va y avoir un face-à-face. Attention à tout ce qui est face-à-face aujourd'hui, hein, avec quelqu'un que vous devez rencontrer pour des projets. Ben, il y a quelque chose, sachez qu'il y a de la trahison. Alors, j'ai envie de dire aussi, attention au niveau sentimental. Pour certaines personnes, s'il y a un rendez-vous prévu aujourd'hui, un face-à-face, la personne n'est pas fiable, n'est pas sincère. D'accord? Peut y avoir aussi autour d'un projet, de ce face-à-face, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous retardent au niveau financier. Voilà, il y en a pour tout le monde, hein, aujourd'hui. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf,
10, 11, 12 et 13. Hop. Alors, là, nous avons un homme, un militaire, un homme qui porte l'uniforme, un homme du lointain, ou tout simplement un événement lié au lointain. Ça peut être votre fils, votre meilleur ami, votre frère qui habite dans une autre ville, une autre région, notre département, ou qui rêve peut-être d'y aller d'ailleurs, hein, avec certitude en tout cas. Et là, on voit très bien que ça peut être vous, si vous avez les cheveux clairs, ou votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, une histoire de changement. Est-ce que vous avez envie de vous rapprocher de vos enfants aussi? Ça peut être ça, tout ça, tout à fait. Hein. On voit que vous allez avoir des papiers, des nouvelles, des mails recommandés, écrits, pour effectivement, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive là. Il y a de l'inattendu. Hein. L'inattendu, c'est que vous allez peut-être recevoir un papier qui vous dit que c'est retardé. Tout simplement, il y a un contretemps dans vos projets. Peut-être en lien avec cet homme officiel, hein, ça peut être un jeune qui... Peut-être ce côté immature, la trentaine, ça peut être tout simplement un homme officiel, un juge, un avocat, un notaire, un agent immobilier, quoique avec un homme officiel, un face-à-face hein, qui devait avoir lieu ou qui va avoir lieu d'ailleurs. Mais il y a un certain retard. Ça peut concerner un déplacement, un déménagement pour vous rapprocher de vos enfants, ou c'est eux également qui sont concernés. On voit malheureusement toujours du retard et du contretemps. Hein. Alors, là, nous avons des projets qui sont là. Ça peut être projets sentimentaux également ou projets tout court. Projet de la vie active. Quelque chose qui va aller vite, là, au niveau peut-être une rencontre hein, qui va être rapide ou tout simplement vos projets qui risquent aussi de s'accélérer pour certains d'entre vous. Regardez ça, on a des très bonnes nouvelles qui arrivent. C'est la carte la plus forte. Sur quelque chose qui était, on va dire, bloqué, eh ben, envolé. Les bonnes nouvelles arrivent sur votre blocage. Honnêtement, je vous le souhaite. Et on va pouvoir démarrer quelque chose. Eh, c'est pas beau, ça? Vous me direz en commentaire, hein, pour certains qui attendent là pour les signatures et les blocages, hein, qui n'arrêtent pas d'arriver en rafale. Là, là j'ai le sentiment que balayé, envolé, on va pouvoir démarrer. Il y a un nouveau départ qui se présente à vous. C'est pour vous, un consultante, si vous êtes veuve, célibataire et que vous avez plus de la cinquantaine. Ou bien, c'est simplement en lien avec votre maman. Ah, attention, il y a une dame vilaine, une jalouse, une rivale. Ça peut être aussi cette personne. Ça peut être vous hein, aussi. Hein. À un moment donné, on montre, on sort, voilà, on sort les crocs, on montre les dents, hein, tout simplement pour défendre aussi ses projets. Attention quand même à ce qu'il n'y ait pas une vilaine femme qui vous pose un problème dans vos projets, qui peut être autour de vous, mais elle peut être aussi autour de votre maman. Hein. Et là, on a une belle contrariété à cause d'elle, ou en tout cas avec elle. Hein. Elle est dans la maison, dans la famille, alors là, ça peut être... Ça peut être une maman, on peut avoir un conflit avec une maman, ça peut être une belle sœur, une belle mère. Enfin, visiblement, il y a une femme mauvaise au niveau familial qui va vous poser un petit souci. Hein. Il peut y avoir une dispute, un contretemps au niveau financier aussi, au niveau familial. Maintenant, en dehors de ça, il peut y avoir aussi, on peut être contrarié avec une chef de service, elle est collée, la dame de carreau au 9 de trèfle. On peut être contrarié avec une chef de service, hein. Oui, doublement. Donc, apparemment, vous avez vraiment de la trahison. Pour certains, dans le domaine familial, c'est clair, il y a une femme déjà dans le domaine familial ou d'un événement qui est lié à l'immobilier extérieur, en dehors de chez vous. N'oublions pas que cet as est retourné. Il y a des gens mauvais, il y a de la trahison autour d'eux. Alors, autour de l'activité professionnelle, de votre travail, ou bien tout simplement l'activité du moment, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez créer. Même si les bonnes nouvelles arrivent, que des choses vont peut-être se mettre en place, soyez vigilants autour de vos projets. Vous avez la réussite, hein, vous avez le dessus, hein, mais il faut bien savoir que autour de vous, il y a vraiment des gens pas bons hein, dans votre, autour de votre projet, projet immobilier ou projet même familial. Hein. Et vous avez le dessus, mais il y a quelque chose qui vous travaille quand même. Hein. On va la recouvrir. Hein. Il y a quelque chose qui vous perturbe tout de même. Hein. Vous avez alors, oui, vous avez des gens vraiment qui ne sont pas très sympathiques autour de vous. Là. Ça peut être pour un projet immobilier. Hein. On vous torpille l'affaire. Hein. J'ai l'impression que d'être vigilant. Bon, on voit que vous allez avoir le dessus, parce que vous avez une bonne. Vous avez la carte la plus forte. Hein. Et vous avez également l'as de trèfle, vous avez les W, vous avez les deux. Mais attention, il y a des gens, on ne peut pas nier, des gens méchants autour de vous.
7, il y en a 2, 8, 1, il n'y en a pas, 9, 1, 2, 3, il y a 3, 9. Alors, les 3, 9, on est presque arrivé, hein. On va presque aboutir à quelque chose, mais il va encore falloir faire un petit effort. 10, 2, valet, il n'y en a qu'un, dame, il n'y en a qu'un, 2, et les as, il y en a 2. Bon, alors, on va, avant de réunir les cartes, alors, bien entendu, je vais mettre, il y en a plusieurs quand même, là, hein. Non, il y en a trop. Je vais pas faire comme, je vais faire autrement. On va les mettre au fur et à mesure. Alors, là, nous avons effectivement un projet qui soit sentimental. Si c'est un projet sentimental, nous sommes sur un certain blocage. Il y a quelque chose qui n'avance pas, peut-être à cause d'une ex, hein, d'ailleurs, tout simplement. Ou si c'est des projets tout court, il y a quelque chose qui n'avance pas. Alors, parce qu'il y a un contretemps. On voit que sentimentalement, il peut y avoir un contretemps pour une démarrer quelque chose de sentimental qui se met en place. Hein. C'est retardé. Si c'est vraiment les projets tout court, hein, il y a effectivement quelque chose qui non seulement est bloqué, mais il va être reporté ou qui était reporté. Nous avons, alors là, nous avons des gens à trahison. Avec une femme vénale, ça peut être les mêmes personnes, tout ça. Hein. Il y a une femme vraiment vénale, mauvaise, méchante, et il y a tout un groupe de personnes autour. Hein. Alors, qui peut être autour de votre fille, votre meilleure amie, votre sœur. Moi, je dirais votre fille et votre sœur, parce que on a l'as. On va mettre sur la dame. Ben oui, ça peut être une banquière. Il peut y avoir un souci au niveau finance. Effectivement, ça peut être une banquière. Mais et ça peut être aussi que votre fille, votre soeur ou votre meilleure amie est vraiment mal accompagnée. Il peut y avoir un gros souci au niveau des finances également pour elle. Maintenant, ça peut être tout simplement également une même personne. Cette dame peut être blonde, hein, et vous poser des problèmes financiers. Alors, il y a une belle contrariété dans l'activité du moment ou tout simplement également concernant cet argent. C'est des papiers. Vous allez recevoir des écrits au niveau de travail. Qui vont effectivement vous contrarier. On voit bien qu'il y a un nouveau départ. On est en attente de ce nouveau départ. Hein, et ça mine, ça mine, ça mine. Avec certitude, on n'est pas bien du tout. C'est un grand changement que l'on attend. On attend ce nouveau départ qui nous travaille sur ce grand changement. Après, voilà, même si on était dans cette situation, on voit très bien, regardez ça, qu'en fait, les choses après vont se décanter. Vous avez la carte la plus forte. Donc, les choses vont bouger. Pour vous, pour votre maman ou pour vous, si vous êtes veuve célibataire, plus de la cinquantaine, ou en tout cas en lien avec votre maman, eh ben, il y a une superbe réussite qui arrive, les amis. Les choses bougent. On voit effectivement du retard, du contretemps, des gens méchants. Il y a une situation peut-être conflictuelle autour de vous, mais vous le savez déjà. Mais on voit très bien que ça va finir par s'arranger. Vous avez doublement les cartes, les bonnes cartes, carte la plus forte, l'as de trèfle, concernant la maison, le foyer, ou en tout cas en lien avec un projet immobilier. Bon, il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs, ce que nous allons retrouver pour notre mardi 31 janvier 2023. Mardi 31 janvier 2023. Mardi 31, vous vous protégez, vous êtes protégé, vous vous protégez de l'échec, vous vous protégez, il y a des choses qui vous ont perturbé, qui vous perturbent, et vous vous en protégez, c'est bien vous ma consultante, et c'est bien sur un nouveau départ, c'est bien ce que l'on a vu également, parce que vous avez des rêves, et peut-être qu'on vous les reproche ces rêves, des rêves de partir, on le voit, hein. Vous avez des rêves d'évoluer, vous avez des rêves d'aller voir les choses ailleurs, de prendre dans une autre ville, un autre département, une autre région, des rêves de déménager, de redémarrer quelque chose de nouveau, voire peut-être même à l'étranger. Hein. Allez, c'est parti pour 13 cartes.
On vous reproche quelque chose, on vous reproche peut-être de vouloir vous séparer de vos enfants. Alors, ça peut être un problème si vous souhaitez déménager, partir dans une autre ville, une autre région, voire même à l'étranger d'ailleurs, hein. On peut vous reprocher de vous séparer de vos enfants. Ouais, on vous le reproche et on vous accuse, hein, d'ailleurs, hein. Mais regardez ça. Vous avez le miroir magique, les amis. Donc, les choses vont finir par s'arranger. Effectivement, on voit bien qu'on vous reproche aussi une séparation pour certaines personnes, hein. Mais vous avez le miroir magique. Alors, en dominant, les amis sont là. En tout cas, il y a quelque chose qui est fait en toute amitié. On signe quelque chose ou avec les amis, on décide quelque chose, ou bien en toute amitié, vous êtes peut-être aidé pour arriver à décider quelque chose et à signer quelque chose. Eh bien, c'est ça, c'est ça, c'est ce qu'on vous reproche d'ailleurs. De partir, on décide hein, de partir. On acte quelque chose en tout cas. Hein. Regardez ça et vous avez l'ouverture qui est là. Vous allez pouvoir vous projeter. Vous vous projetez d'ailleurs. Hein. Et j'allais dire, tout à l'heure, on a vu que oh là là, protéger, on va y arriver. Eh bien voilà, on la ressort. Vous vous projetez et vous vous protégez. Vous êtes protégé de toute façon. Regardez ça. Vous allez pouvoir avoir une belle évolution. Vous allez pouvoir y monter ces marches. Vous allez pouvoir avancer. Vous étiez en sentiment d'échec, hein. Vous aviez peur de ne pas réussir à le démarrer ce nouveau projet. Mais il est là, ce nouveau projet. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Il y a beaucoup de sentiments, d'émotions. Ça peut être aussi quelque chose que l'on redémarre au niveau sentimental également. Quelque chose prend fin. Voilà. Et c'est avec un homme ou pour un homme, on démarre quelque chose de nouveau. Ou c'est tout simplement aussi un jugement que vous étiez en attente. On l'a vu que vous sépariez quelque chose, on vous le reproche peut-être. Et c'est peut-être sans doute ça aussi. Pour vous, c'est un soulagement. Hein. Vous êtes aidé, accompagné peut-être avec des amis au tribunal pour quelque chose, pour signer quelque chose qui va vous permettre de voir les choses ailleurs, voilà, notre ville, de voir quelque chose, en tout cas de démarrer quelque chose. Peut-être même que vous êtes accompagné dans une autre ville, un autre département, une autre région. Ça s'annonce à vous quelque chose de beau, une belle ouverture, quelque chose de joli qui se. Vous allez pouvoir vous projeter d'ailleurs, hein, et vous vous protéger. Et vous avez raison, vous allez vers une belle évolution, quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir et c'est collé à ouverture en plus, hein. Quelque chose qui vous avait mis en sentiment d'échec, tout simplement. On va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. C'est un grand oui. Ça peut être émotionnel, quelque chose pour vous qui vous touche. Ça peut être aussi en lien qui était, il y a eu de tromperie sans doute, mais ça prend fin, voilà. Et c'était peut-être lié avec un homme. Après, on peut redémarrer quelque chose avec un homme, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose qui était lié avec un homme qui va prendre fin et qui va vous permettre d'avoir une belle évolution. Pour certains, je le sens très sentimental, cette histoire, mais après, ça peut être tout simplement lié aussi à un projet, hein. On voit que vous êtes aidé pour mettre en place cette chose puisque c'est signé hein, par peut-être que ça a lieu ailleurs dans une autre ville, peut-être aussi que vous voulez aller vous ailleurs. En tout cas, on voit très bien que vous avez la possibilité qui va vous être offerte et vous allez pouvoir vous projeter. Vous êtes protégé sur votre projet qui va d'ailleurs monter. Hein. Voilà, on y va, on y va. C'est quelque chose qui vous a fait peur, c'est normal. On va la recouvrir après, mais on va pouvoir démarrer quelque chose de beau. C'est un grand oui. Après, c'est très émotionnel, évidemment. Les choses vont enfin prendre fin, tout ce côté émotionnel des choses. Et c'est bien pour vous, mon consultant, ou un homme proche de vous. Bien, alors, on va en mettre une sur échec. Il y en a deux qui ont voulu venir. Le verdict, et c'est la maison. Alors, pour certains, c'est bien les projets, effectivement. Hein, on l'a bien vu. Donc, vous allez être aidé, soutenu certainement pour cette signature que vous avez mis mal. Ça va enfin prendre fin. Et l'ouverture est là. C'est un peu le jeu de temps deux que l'on a vu. Hein. Quelque chose va être décidé, hein, va être acté, très officiellement d'ailleurs. Et c'est ça vous avait mis mal, vous n'étiez pas bien. Et vous attendiez ce verdict. Hein. Qui peut être d'ailleurs vous remettre aussi sur les rails. Alors, ça peut être aussi tout simplement que vous avez un jugement qui est rendu pour une maison, un bien immobilier par rapport à une séparation également. Hein. Ça peut être aussi que vous décidez sans doute de vous séparer. On l'avait vu aussi avec tout à l'heure, je ne sais plus comment, je ne sais plus, avec le dos des croix, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, on voit bien que ça vous avait mis mal. Il y a un jugement qui est rendu doublement, un hein, verdict de compromis.
Ça peut être pour récupérer une maison. Ça peut être aussi le côté financier qu'on avait vu tout à l'heure, hein. Quoi qu'il en soit, ça va prendre fin. Vous avez une belle ouverture, une belle élévation. Je pense que les amis, en fait, sont là pour vous accompagner, pour vous aider à mettre en place tout ça, hein. Si c'est des projets immobiliers, on voit qu'ils sont là, qu'ils arrivent, bien que on avait vu que ça avait été un peu, on va dire, bloqué, retardé. Non, Monsieur Béline, Monsieur l'oracle des miroirs nous confirme bien que les choses vont pouvoir se faire. C'est pas mal comme tirage. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent, les amis. Allez, on regarde avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, mardi 31. Le hasard, l'inattendu, la surprise. Mardi 31. Mardi 31. Alors, mardi 31, à la coupe. Ouh, il y a des disputes. Ouh là là. Alors, il va y avoir des cadeaux empoisonnés, hein. Attention aux disputes. Discussion vive, dispute. Vous allez le fêter. Donc, ah, il peut y avoir des disputes pour un héritage, des disputes de famille. Bon, quoi qu'il en soit, vous, de toute façon, vous allez fêter. Vous avez une belle protection. Alors, quelque chose qui. Je pense qu'il va y avoir des soucis de famille pour certaines personnes. Voilà, les nouvelles arrivent. Oh là là, accident. Bon, on va regarder ça de plus près. Bon, quoi qu'il en soit, c'est atténué parce que là, on voit très bien que vous avez des cadeaux. L'inattendu va arriver. D'ailleurs, on l'avait vu tout à l'heure, hein, le hasard. Et il y a quelque chose que vous allez fêter et vous avez une très belle protection, hein. Il peut y avoir effectivement des discussions vives concernant un héritage, quelque chose qui s'est écroulé par rapport à des nouvelles qui ne sont, voilà, qui sont pas bonnes, bien entendu. C'est pour vous, mon consultant. Et ça peut concerner un changement. Mais regardez. Tout ça, vous avez déjà dû le passer. Aujourd'hui, le changement va arriver et vous avez une superbe réussite qui est là. Confirme bien ce que l'on a vu tout à l'heure. Et en plus, vous avez la carte bleue, hein. Allez, mardi 31. Vous allez avoir un éclaircissement. Vous allez pouvoir voir les choses. Vous allez avoir un éclaircissement, peut-être découvrir qu'il y a de la méchanceté autour de vous, d'ailleurs, au niveau foyer, au niveau maison, au niveau famille, on l'avait vu avec le jeu de 32. Allez, on recouvre tout ça. Alors, vous avez la grâce, donc superbe protection. Vous allez découvrir que vous êtes protégé. On l'a vu, hein, vous êtes protégé, que vous vous protégiez, hein. Il y a de la méchanceté autour de vous. Bon, vous allez les honneurs par-dessus. Donc, maison, foyer, famille, regardez, ça bouge, il y a des envies de bouger, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc en fait, vous avez une superbe protection et les honneurs par rapport à ce changement que vous souhaitez dans la maison, dans le foyer, la famille, dans votre propre foyer. Allez. Une petite carte pour apprendre à lâcher prise. J'apprends à prendre du recul par rapport à mes pensées. Regardons une pensée négative qui nous traverse à l'instant présent. Comportons-nous comme un témoin, un observateur, sans prendre parti au moyen d'une autre pensée. Cette position de recul nous permet de voir le contenu exact de la pensée et de la rejeter calmement si c'est nécessaire. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage du mardi 31 janvier vous a parlé, vous a plu, vous parlera. Merci en tout cas pour vos commentaires. Merci de mettre un pouce, j'aime, d'amener famille, amis, collègues, copains, copines à vous abonner. Merci pour votre présence et votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à demain.